Africville, un album qui s'est mérité de nombreux prix. Fait que Africville, c'est une ville qui a été fondée en 1747 sur les côtes près d'Halifax. C'était fondé par des esclaves libérés, mais non seulement des esclaves libérés, des loyalistes noirs. C'était des soldats qui se sont battus pour les Britanniques. Les gens qui restaient là, des citoyens d'Africville, c'était des propriétaires de leurs terres, c'était des propriétaires de leurs maisons. C'est des gens qui avaient des entreprises, c'est des gens qui, comme nous, payaient leurs taxes. Mais la ville d'Halifax a refusé de les offrir de l'eau potable. Puis ils mettaient leurs déchets tout proche d'Africville. Les gens d'Africville, oui, étaient pauvres d'un côté, mais c'était quand même une communauté très riche en culture. Et c'est la ville d'Halifax qui a décidé d'expulser ces gens-là. Je ne peux pas arrêter de penser aux expulsions des Acadiens aussi. Alors, on a vraiment quelque chose en commun avec eux autres. Pour parler de maladie et de deuil, la boîte aux belles choses. Je suis très inspirée par la nature, ce qui m'entoure. Chaque matin, quand j'ouvre ma fenêtre, c'est un peu la nouveauté et une source d'inspiration à portée de main. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce projet avec Christine et Bouton d'Or. C'était un projet vraiment très sensible. Ma coquine de grand-maman d'amour s'est envolée comme un papillon, tout doucement. Un matin gris chagrin où les nuages grognent vidaient leur dernier sac de flocons. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est rajouter toujours un peu de motifs et de détails dans mes illustrations. Ça doit être lié à mon passé dans le stylisme. Tranquillement, j'ai grandi, presque autant que ses fleurs préférées. À pas de tortue, ma bonne humeur est revenue. Et à pas de kangourou, j'ai ensuite envie de tout. Pour petits et grands, un livre LGBTQ+, sur l'homoparentalité. Donc, mère et monde. Tu es née un peu après minuit, après le signal de l'alarme qui a coupé la nuit en deux. Par césarienne, un beau gros cadeau, le nôtre. Je m'appelle Alice Arsenault, je suis artiste visuelle professionnelle ici à Memphis. Ce sont des livres que je tiens vraiment à cœur lorsque j'étais en train de faire le processus d'illustrer ces livres. J'ai su que j'étais moi-même enceinte. Ces livres sont un petit peu de magie. Alors même si tu ne possèdes ni mes gènes, ni mon ADN, tu es mon soleil, mon fils, et je t'offre tout ce que j'ai d'amour, de dévouement, d'attention, de délicatesse, encore et toujours en ce monde. Pour les 4 à 8 ans, une aventure intergénérationnelle dans la cuisine. Vous savez, à l'intérieur, il y a un mélange de photos, de dessins tout à fait fantastiques. C'est un conte de recettes à lire avec plaisir, à pétrir avec énergie, et à déguster avec appétit. Bon appétit! Ah, c'est pas une production de Bouton d'Or Acadie. En fait, ça vient de Halifax. Mais Bouton d'Or le distribue avec grand, grand plaisir parce que ça a été écrit aussi, ça a été fait d'abord en anglais, The Alphabet of Viola Desmond, mais ça a été aussi rédigé en français par des élèves d'immersion de Nouvelle-Écosse. Et voici un roman d'aventure et de survie. On a publié mon amie Sonia Cotton, l'illustratrice Daniela Zekina et moi, le roman « Cours, Ben, cours » qui s'adresse aux 11 ans et plus. C'est un roman sur la forme dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous avez des étapes à la fin de chaque chapitre et vous devez choisir quelle étape prendre à la fin de celle-ci. Une ado se met à nager vers nous. C'est une rousse qui louche et elle a l'air particulièrement choquée. Dans le temps de le dire, elle grimpe sur le pédalo, les poings serrés. En regardant Ben droit dans les yeux, elle lui dit, en brandissant son poing devant elle, « Roche, papier, ciseaux! » Trop surpris pour répondre, Ben reste figé, la bouche grande ouverte.
Hey, décide-toi! Roche, papier, ciseaux! Qu'est-ce que Ben devrait choisir, à votre avis? Donc, je vous invite à accompagner Ben dans ses aventures et à l'aider à faire les bons choix. Merci et bon Salon du Livre!